J'ai une question à vous poser, jeunes gens. Si je vous dis les pirates, certains vont penser automatiquement au capitaine Jack Sparrow et à Pirates des Caraïbes, hein, la saga Pirates des Caraïbes, dont le dernier est sorti cette année. D'autres vont me sortir aussi One Piece, car c'est un manga qui se base sur la piraterie aussi. Et d'autres vont me sortir L'île aux pirates, qui était sorti en 95. Mais en fait, quand je dis pirate, j'aimerais en fait parler d'une série d'animation qui était sortie il y a bien longtemps, bien avant les films, les mangas, et qui se basait aussi sur la piraterie. Alors les plus anciens d'entre vous vont sûrement se rappeler de ça, hein, quand ils voient la vidéo, ils vont reconnaître certains personnages. Donc, bien avant les films, le manga One Piece, le thème de la piraterie a déjà été adapté par le passé, au début des années 90, en fait, sous un dessin animé, sous une série d'animation, qui se faisait appeler Le Tourbillon Noir. Alors, Le Tourbillon Noir, c'était une série d'animation faite par Hanna et Barbera. Donc, Hanna et Barbera, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est les créateurs de Scooby-Doo. Et ils avaient fait un dessin animé qui se basait sur la piraterie et dont le jeu que je vais tester, moi le Pirate X, je vais tester le jeu qui est tiré du dessin animé. Alors, comme je viens de le dire, je vais tester un nouveau jeu Sega et pas n'importe lequel, donc celui qui est adapté d'un dessin animé nommé Le Tourbillon Noir. Et le jeu en fait est une adaptation du dessin animé. Le dessin Les Pirates Tourbillon Noir était sorti en 94 sur Mega Drive et Super Nintendo. Et la différence, là, en fait, il y avait une différence entre les deux versions. En fait, la version Super Nintendo c'était un beat'em all, tout ce qui est de plus simple. Et la version Mega Drive que je vais tester est un peu différente du beat'em all de la version Super Nintendo. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, c'est en fait le fils d'un roi, d'un royaume englouti, en fait il y a un tourbillon noir, un peu comme du pétrole comme je dirais, qui a englouti tout un royaume. Et le roi est mort, le roi est mort au bras de son fils, et son fils il apprend la destinée qui lui est réservée. Et pour sauver son royaume et vaincre le tourbillon noir, il doit récupérer un compas magique avec trois pierres précieuses, plus d'une douzaine de pierres précieuses, de pierres précises. Et après pour faire en sorte que le tourbillon noir disparaisse, mais il doit éviter les pirates qui veulent le compas magique et le tourbillon et les pierres. Donc en gros, il y en a du boulot, hein. Alors déjà, on va commencer le jeu. On regarde les contrôles. Alors le bouton A, le bouton B, le bouton C, ouais, le mot de passe, oui. Le jeu possède la particularité d'avoir les mots de passe. Donc vous aurez un mot de passe à chaque fois que vous terminerez un niveau. Excusez-moi. Et c'est pas plus mal d'un côté. Alors on revient au truc. Donc comme je disais, le fils du roi disparu doit recruter des personnes. Alors il trouve un singe oiseau qui va l'aider, qui connaît le coin comme sa poche, qui va l'aider, qui va le joindre. Il raconte un peu son histoire à une sorte de fille agile, hein, donc je ne sais pas trop son histoire. Et aussi un ancien pirate nommé Yoz qui va le rejoindre aussi, lui qui pense qu'au pognon. Car oui, celui qui possède le compas et les pierres magiques, il gagne le jackpot, le gros lot. Alors pas étonnant que les pirates veulent s'en emparer, hein. Alors déjà, on va commencer le jeu. Donc comme je disais, vous voyez au début la carte du monde, hein. Donc, comme je dis, vous voyez un peu les différents lieux qu'il y a sur la carte. Bon, bien sûr, il y en a qui apparaîtront au fur et à mesure. Donc, automatiquement, là, on va commencer avec un niveau direct, la jungle de Pandawa. Sur la droite de la carte, vous voyez les héros, et sur la gauche, vous voyez les méchants pirates qui veulent vous faire la peau et récupérer les pierres. Bref, autant dire qu'il y a du boulot. Avec le tourbillon noir bien au centre, hein. Donc, on va commencer automatiquement le niveau avec la jungle. Alors avant chaque niveau, il est à noter que le singe oiseau qui vous accompagne, Needler,
Et il vous donnera une description de chaque lieu. Voilà, il y a ici, il y a ça, aidez-moi ainsi. Donc là, il demande en gros de nous aider. Hein. Le jeu est en anglais, on n'a pas la possibilité de choisir sa langue, ce qui est un peu dommage. Ça aurait été sympa de voir en français. Donc là, il nous demande de sauver son territoire. Vite, aller dans la jungle. Voilà, vous savez pas comment les Monkey Birds peuvent être reconnaissants. Alors. Avant chaque niveau, bien entendu, vous avez la possibilité de choisir un des trois personnages du jeu. Alors, vous avez le choix entre Rennes. Ah putain, problème de manette. Vous avez aussi la possibilité de choisir Tula maintenant, qui est la fille. Et enfin, Yoz, qui est un peu pour moi le bourrin du groupe. Hein, quand je dis le bourrin, le plus puissant. Ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on voit un peu une description rapide du perso, son âge, son poids, sa taille, son adresse, sa phrase préférée, ce qu'il aime pas. C'est assez sympa comme tout, hein. Donc on va commencer le jeu avec Ren, hein. Évidemment, c'est le héros principal. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir quand on commence le niveau? On va à gauche, à droite. Donc en fait, le jeu, c'est un jeu à scrolling horizontal. Donc le personnage répond assez bien. Bon voilà, on n'a rien pour l'instant. On peut pas l'appeler l'autre. Car oui, vous avez déjà, je vais vous expliquer un peu la possibilité d'appeler Needler. Dans le niveau, vous pouvez appeler Needler, mais uniquement si vous avez une dizaine de nourriture en forme de melon. Si vous avez en moins de 10, vous pouvez pas revenir sur la carte du monde. Et puis de toute manière, là, dans ce niveau, ça servirait strictement à rien parce que quoi que vous fassiez, vous retournerez automatiquement. Vous serez obligé de faire ce niveau en question. Donc, on voit que le personnage se déplace assez de gauche à droite. Il saute. Le bouton A pour attaquer. Le bouton C, en fait, pour lancer des projectiles que je n'ai pas encore. Donc, on peut voir aussi qu'il y a des détails comme les feux qui tombent quand on passe derrière qui a été ajouté. Alors, on avance, on écoute le singe oiseau qui nous demande de l'aide, qui ont été dirigés. Tout un groupe de pirates dirigés par un pirate nommé Conk, blablabla, ils ont pris tous nos enfants, ils ont pris la reine, sauvez-les s'il vous plaît. Donc, en gros, le premier niveau c'est très simple, on doit débarrasser la jungle des pirates. Donc, ce qui est bien, comme je le disais, le personnage répond très bien, hein. Déjà sur ce point-là, on n'a pas de soucis, hein. Parce qu'en général, dans les jeux. En général, dans les jeux, on avait souvent des problèmes de jouabilité. Hein. Donc, pour foutre les coups, il n'y a aucun souci. Donc, vous vous demandez comment je fais pour descendre et pour remonter. Ben, en fait, c'est très simple. Vous faites le bouton B, vous faites bas et vous maintenez le bouton B enfoncé, qui est en fait le bouton saut, pour descendre. Ça ne marche uniquement que s'il y a une plateforme en dessous. Bon, après, pour remonter, en fait, vous faites haut et vous faites le bouton B enfoncé pour pouvoir grimper. Alors, sachez-le que ça peut vous aider parce qu'à un moment donné, quand j'ai fait ma première partie, ma toute première partie, je me disais, merde, comment je fais pour monter là-haut? Bon, après, à force de faire ça et de chercher, j'ai trouvé. Donc, on peut voir aussi au niveau des décors, la jungle, hein. Des décors, assez soignés, hein. Les lianes, les fleurs. On sent que déjà aussi les petites animations des personnages en arrière-plan, comme les singes oiseaux qui nous regardent ou qui se disent ouais, et en fait on est heureux quoi. On pourrait se dire qu'ils sont heureux, mais en fait non, c'est trompeur. Donc aussi leurs habitations, les personnages qui sont très bien, qui sont fluides, hein. Il n'y a pas de ralentissement. On a une fluidité parfaite de l'animation des personnages. Au niveau des décors aussi, on a ce petit côté enchanteur. Hein, parce que oui, dans les niveaux, dans les niveaux sont assez variés dans l'ensemble, quoi. Là, on commence au niveau avec la jungle. Ensuite, on devra traverser un port de pirates. Ah oui. Un port de pirates, une citadelle fantôme, une grotte, une montagne, un village cannibale. Donc autant dire que le jeu. Oh putain. On peut dire que le jeu est varié, quoi. Donc comme vous avez pu voir, notre personnage en fait a aussi la possibilité de faire une prise à l'ennemi. En fait, c'est une petite animation rapide pour dire voilà, on a projeté l'adversaire, donc voilà, comme ça.
C'est sympa comme tout, hein. Bon, les ennemis, bon là on a déjà un type de pirate, mais rassurez-vous, dans chaque niveau vous aurez des ennemis différents, hein. À part les niveaux de où on demande, à part des niveaux où vous avez par exemple le port et puis la jungle, dans les autres niveaux on trouvera des ennemis différents. Le village cannibale, on trouvera des cannibales, bien entendu. Des zombies et la citadelle hantée, on trouvera des fantômes, oh putain, des archers fantômes, ou bien alors des guerriers squelettes, des zombies, des archers fantômes dans la citadelle hantée, ouais, ça c'est dit. Ah voilà un autre type de pirate, hein, car voyez-vous, il n'y a pas que les pirates avec un sabre, hein. On a ces pirates-là qui ont la possibilité en fait de balancer un filet. Alors résultat, ça nous bloque pendant un temps. Et résultat, on est à la merci de l'ennemi. Alors vous avez pu voir aussi, les ennemis ont la possibilité de se défendre, de parer le coup. Mais ça va pas durer longtemps. Alors comme je disais, les ennemis sont assez variés. À un moment donné, il y aura traversé aussi un pont. Alors vous trouverez des guerriers style. Les guerriers aztèques là qui sont habillés avec une tenue de serpent. Donc en gros déjà les ennemis variés ça prend les ennemis variés donc autant dire que le bestiaire on n'aura pas toujours le même truc. Alors comme je disais au niveau ici du niveau des décors, il y a une grande variation. L'animation en fait quand je le sais dit ça, ouais ça s'est dit les décors les. Les décors, ça c'est dit aussi. Oui, la musique. La musique. Contrairement à la plupart des jeux que j'ai, certains jeux que j'ai pu tester par le passé, les musiques elles sont agréables à écouter, hein. On n'a pas, par exemple, l'intonation de la musique qui nous casse les bonbons. Quand je dis casse les bonbons, c'est que l'intonation en faisait mal. Donc déjà d'un côté sur ce point-là on sera tranquille. Alors vous avez pu voir le bouton C en fait ça me permet à mon personnage de balancer un poignard. Donc en fait le jeu se veut aussi un petit côté RPG. Alors quand je dis RPG c'est parce que vous avez la possibilité de récupérer des potions, des objets magiques, vous devez récupérer des objets magiques, des options, des pièces aussi. Des pièces ça va être vachement important pour la suite de votre aventure. Vous avez les dagues qui seront votre arme secondaire, vous avez les pilons de poulet qui vous donnent de la vie. Et là les espèces de melons, c'est ce qui me servira à appeler le singe oiseau nommé Needler, qui me permettra de quitter le niveau en question pour finalement revenir sur la carte. Mais comme je disais avant, vous n'avez pas le choix, vous devez faire la jungle. Donc comme si j'ai oublié de préciser ah voilà l'ennemi qui me balance un filet. Alors pour s'en débarrasser, il faut appuyer sur le bouton d'attaque. Donc comme je disais, alors j'ai un point que j'ai oublié de préciser. Donc vous voyez la vie de votre le nombre de vies de votre personnage en haut à gauche. Vous voyez aussi le nombre de dagues, le nombre d'armes secondaires que vous avez en votre possession, donc qui se trouve en haut à droite. J'en ai 16, hein. Ça, on peut le récupérer sur les ennemis ou sur les coffres. Et la barre de vie qui se trouve en dessous, bien entendu. Voilà, ça c'était un piège grossier, mais qu'on tombe automatiquement dedans, hein. Donc, alors, Pirates of the Dark Waters, comme je le disais, c'était une série animée dont le jeu reprend le concept, la chasse au trésor. Alors, j'ai fait des recherches sur Wikipédia sur cette série. Je dois avouer qu'au début, Pirates of the Dark Waters, j'étais pas trop attiré. Ah. Et après, je suis tombé là-dessus. J'ai commencé le jeu en fait. Je dis, tiens, un jeu de pirates, ça a l'air pas mal. Hein. J'étais cherché sur un site. Je regarde. Et puis finalement, je me dis, bon, allez, on va se lancer dedans, quoi. Alors au début, ce qui m'avait un peu surpris, c'était son introduction, au fait qu'on voyait les personnages qui étaient vraiment bien détaillés, dessinés, quoi. On aurait dit que c'était des trucs de dessin animé, c'est que plus tard que j'ai appris qu'à l'origine c'était un dessin animé auparavant. Donc là, le mot de passe qu'on récupère. Alors là, maintenant, on a la possibilité entre deux destinations. Alors on a le choix entre la citadelle fantôme et puis le port de Pandawa. Bon, j'aurais bien voulu vous montrer la citadelle fantôme, mais comme il est un peu plus long que le port de Pandawa, et puis j'aurais pas le temps de vous tout montrer, alors autant faire le port tout de suite pour aller sauver la reine. Donc, bien entendu, Needler qui vous donne les indications de l'endroit en question. Blablabla, bla, bla, ouais.
Alors, on a toujours la possibilité de choisir son propre personnage avant chaque niveau, ce qui est déjà un bon point aussi. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que les. Moi je sens surtout que. Je vais prendre lui surtout. Moi je sens surtout que les développeurs Iguana, Sunsoft, ils ont voulu faire un bon jeu suite à une série qui n'a jamais été terminée. Car voyez-vous, oui, pour ceux qui ne sauraient pas, la série en question ne s'est jamais terminée pour des coups de pour des coups de pognon. Pour des coups d'audience, d'argent et en gros, voilà quoi. Donc, la série ne s'est jamais terminée. Je n'ai jamais vu cette série auparavant. Donc, pour tous les fans des Pirates of the Dark Waters, je serai heureux d'apprendre, d'en savoir un peu plus sur cette série. Donc, on a toujours une variation des décors. Donc, on voit un peu la jungle au fond, les petits détails en arrière-plan et en avant-plan. Alors, bien entendu, aussi, vous avez dans certains niveaux, en fait, vous rencontrerez d'autres personnages comme le Monkey Birds. Et les personnages en question, notamment le petit vieillard, ils vous demandent en fait d'avoir un certain nombre de pièces, un certain nombre de pièces pour pouvoir vous laisser passer. Donc là, le clochard, le vieillard, il me demandait 5 pièces d'or pour pouvoir passer, et en plus, il me donnait des indications. Sympa, le vieux. Alors bien entendu, dans le niveau, vous rencontrerez aussi un marchand dans la ville, qui cette fois-ci, lui, vous demandera 10 pièces d'or. Eh ouais, alors il demande pratiquement le double de ce que le clochard a demandé, quoi. Donc, le jeu aussi en particulier recèle de passages secrets, de passages secrets, de salles, d'objets cachés en fait, il faut vraiment chercher, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à fouiller, parce que sans ça, chiotte, et sans ça, vous irez pas bien loin. Alors niveau réception des sceaux, vous avez pu voir, je suis une grosse merde. Voilà. Donc aussi le personnage en fait, il est assez polyvalent. Hein. Normalement quand on est sur l'échelle, il a aussi la possibilité en fait d'attaquer parce que... Voilà. Parce que le personnage aussi quand il est à l'échelle, il a aussi la possibilité de répliquer. Donc déjà quand on voit... Chiotte. Quand on voit que le personnage est assez polyvalent dans ses actions, on peut se dire franchement là ils ont voulu faire du bon travail. Et moi quand j'ai commencé la partie au début le premier niveau ça ne disait rien quoi. Je dis bon allez je le fais quand même. Hein, je le fais quand même parce que pour voir un peu la suite ce que ça va donner. Quand j'ai vu aussi que en fait les décors, la possibilité de choisir ses persos, les musiques différentes, les quêtes à faire. Les musiques aussi, je me suis dit, ben finalement, je me suis laissé prendre au jeu et franchement, c'est un truc que j'adore. Alors moi, dès que possible, je chercherai sur le net les épisodes en streaming de Pirates of the Dark Waters. Et donc, ouais, pour vraiment découvrir un peu l'ambiance pirate, quoi. Alors aussi, un autre point que j'ai complètement zappé, niveau durée de vie. Alors moi, dans ma partie, j'en ai... Au septième niveau en fait, il y a un niveau où je dois être dans une grotte, je dois éviter le tourbillon noir en fait, qui ressemble un peu à du pétrole, ce qui est assez drôle dans l'ensemble, et qui dès que je tombe dedans, je perds automatiquement une vie quoi. Alors voilà le marchand. Blablabla, la porte est loquée et j'ai besoin de la clé. Haha, quoi? Vous n'avez pas 10 pièces d'or, mais vous êtes... Mais devenez un pirate quoi. En gros, c'est un vrai enfoiré. Alors j'ai dû oublier quelque part. Donc 10 pièces d'or, il se fait pas chier. Voilà. Donc en gros, je dois chercher 10 pièces d'or. Je sais plus où elle est la dixième. J'en ai combien? Comme par hasard, j'en ai... Oh putain, j'en ai que 4. Donc oui, n'hésitez pas à fouiller les passages secrets. Donc, sur ce... C'était Monsieur X, ou plutôt le Pirate X, qui a testé pour vous le jeu... Pirates of the Dark Waters, un jeu à conseiller à tous les fans de la série à l'origine. Tous ceux qui aiment l'ambiance pirate. Chiotte. Tous ceux qui aiment l'ambiance pirate.
Et moi personnellement, alors durée de vie honorable, musique variée, niveau varié, graphisme correct, graphisme en fait digne de dessin animé, animation des personnages très fluide. Moi personnellement, en plus le petit côté RPG, le côté RPG qu'on a, voilà, potion de gravité. Et voilà, la potion. Donc ensuite, durée du honorat. Ouais, en fait, j'ai tout dit, quoi. Le jeu, je lui donnerai un 14 sur 20. Pas un 14, qu'est-ce que je raconte? Un 17 sur 20. Ah putain, je sais plus où je vais, moi. Un 17 sur 20, un très bon jeu, quoi. Les développeurs, ils ont voulu faire du bon travail. Ils ont pensé aux fans, ça se voit, hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé la planque. Et donc, c'était le Pirate X qui a testé pour vous le jeu Pirate of the Dark Water sorti sur Mega Drive en 94. Et qui vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut!